السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ من يذكر لي؟ نعم يا أخي. نعم، شروط الصلاة. Nous avons vu ensemble les conditions de la prière. الإسلام l'islam, الإسلام الكفر. Ce qui s'oppose à la mécréance. Si le mécréant est pris, sa prière est nulle. Si l'associateur qui fait l'association grande il prie, eh bien, sa prière sera nulle. Deuxième condition, la raison, ce qui s'oppose au fou. Si le fou il prie, sa prière elle est nulle. Si quelqu'un il est saoul, il est ivre, sa prière aussi elle est nulle parce qu'il n'a pas la raison. Tu vois quelqu'un debout qui parle, mais il est saoul. S'il prie, quel est le jugement de sa prière? Donc la prière de l'homme ivre est nulle. Le fou, hein, celui qui dénue des raisons, il est meilleur que l'ivre, la personne qui est ivre. Pourquoi? Parce que lui, ce n'est pas sa faute, il n'a rien fait pour cela. Alors que l'ivre, lui, il a fait ça exprès. Donc on a dit l'islam, la raison et le discernement. Il a la capacité de faire la distinction. Si un petit il fait la prière, sa prière, est-ce qu'elle est nulle ou est-ce qu'elle est valide? Si un enfant, un petit, il fait la prière, quel est le jugement de sa prière? S'il a atteint l'âge de discernement, sa prière elle est valide. Est-ce que le discernement c'est la puberté? Non. Le discernement c'est la capacité de faire la distinction entre les choses. Est-ce que le discernement a un âge précis? Non. Mais en général, c'est à 7 ans qu'on a cette capacité de faire la distinction, qu'on a le discernement. Autre condition, l'intention. Et c'est de dire, oh Allah, j'ai l'intention de faire la prière tel jour, le jeudi 26 décembre 2013, dans telle mosquée, la mosquée de Tariq ibn Ziyad, dans la ville d'Emiro, dans le pays de la France, à la droite duquel se trouve, etc. etc. Est-ce que c'est ça l'intention? الشيخ زهير مصليا صلاة المغرب في توقيت المحل الخامسة وخمس دقائق ثلاث ركعات أقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة كذا يصح؟ Est-ce que c'est comme ça qu'on fait القلب؟ Pas du tout. C'est dans le cœur que l'intention se passe. Et la prononcer est une innovation. Dans toutes les adorations qu'on va voir ensemble, il n'y a pas la prononciation de l'intention dans la moindre adoration, quelle qu'elle soit. Et on va le voir ensemble, Inch'Allah. Donc, autre condition, faire disparaître la trace d'impureté sur le corps, le vêtement et l'endroit où on prie. On ne peut pas prier dans l'endroit où il y a l'impureté, dans les toilettes, l'endroit où il y a les impuretés comme la décharge, et ainsi de suite. On doit aussi être pur, c'est-à-dire on ne doit pas avoir fait une chose qui annule notre état de pureté rituelle. On doit aussi couvrir sa nudité pour faire la prière. Et la partie à couvrir est de trois sortes. Sévère, c'est celle de la femme libre, pubère, qui doit couvrir tout son corps, sauf son visage, lorsqu'elle n'est pas en présence d'un étranger.
Si il y a des hommes étrangers, elle couvre aussi son visage. Et ça, ça concerne la femme et non l'homme. La femme pubère et non la petite. Et la femme libre et non l'esclave. Et là, il faut que tu sois bien attentif. On parle de la prière et pas du hijab ou pas du fait de la femme qu'elle sorte dehors ou pas du fait de voir la femme étrangère. Ça, c'est autre chose qu'on verra plus tard, Inch'Allah, dans son contexte. C'est pour cela que lorsque on remarque que certaines personnes se permettent une certaine audace dans les questions qu'ils posent. Les compagnons de Allah anhum, quand ils avaient un comportement lorsqu'ils posaient des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira, il n'est pas rentré dans une école, il n'a pas étudié telle règle. Mais quand il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a remarqué qu'il lui a posé la question sur ce qu'il disait entre le takbir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre le takbir, le Allahu Akbar qu'il faut entendre dans la prière, et le début de la lecture. Il lui a dit que mon père et ma mère soient donnés en offrant, en rançon pour toi. Qu'est-ce que tu dis? J'ai remarqué que tu restais silencieux entre le takbir et la prière. À la lecture, qu'est-ce que tu dis? Donc on remarque la façon dont le Abu Huraira s'adressait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans le hadith, cet homme qui faisait mal la prière et que le prophète renvoyait sallallahu alayhi wa sallam chaque fois qu'il venait le voir. Alors regarde comment il lui a dit à la fin, il dit, par celui qui t'envoyait par là, avec la vérité, je ne sais pas faire mieux que cela, alors enseigne-moi. Allah dit dans le Coran et dit à mes serviteurs de dire la parole qui est la meilleure. C'est-à-dire qu'on se mâche entre une parole, entre plusieurs paroles, on doit dire celle qui est la meilleure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'homme il atteint par le bon comportement le degré de la personne qui jeûne sans jamais rompre son jeûne et de celui qui prie la nuit sans jamais dormir avec le bon comportement. Des fois on reçoit des questions de telle forme, sans aucune politesse, sans demander la bénédiction pour celui à qui on pose la question, bien invoquer Allah Ta'ala en sa faveur. Cheikh Al-Athamin Ahmadullah disait qu'un homme il est venu le voir pendant qu'il se rendait à la mosquée. Il lui a dit, j'ai une question au cheikh. Cheikh lui a dit, attends. Jusqu'à ce qu'on arrive à la mosquée. Là, il fait chaud là, et il y a le soleil, et c'est gênant. Et l'homme, il lui répond, et par le verset, wallah, il dit, et le feu de l'enfer est encore plus chaud, si seulement il savait. Et cheikh lui dit, écoute, là, il fait chaud, et je suis gêné par la température, attends qu'on arrive à la mosquée. L'homme lui rétorque avec le hadith, celui qui cache une science, Allah il le ligote, il le baillonnera avec un baillon de feu le jour du jugement. S'il était venu le voir avec politesse et bienséance en invoquant Allah en sa faveur, ou bien lui fait comprendre qu'il a vraiment besoin de lui avec douceur, là ça aurait été autre chose. Pensez-vous qu'il l'aurait rejeté? Non. Exemple, si on avait dit qu'Allah vous fasse miséricorde et vous préserve, que vous avez dit qu'il est interdit de prier entre les tombes, sur les tombes et vers les tombes, que dites-vous de certaines personnes qui prétendent que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans la mosquée de Médine? Avec politesse, on lui répondra, retourne à la parole de Cheikh Al-Athamin rahimahullah ta'ala, dans laquelle il dit que la mosquée a été construite pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que le prophète, quand il est mort sallallahu alayhi wa sallam, il est mort chez Aïcha radiallahu anha. Il n'est pas mort dans la mosquée. Et l'appartement de Aïcha radiallahu anha se trouve à l'extérieur de la mosquée. Et c'est là qu'il est enterré. Et la pénétration de l'appartement de Aïcha radiallahu anha dans la mosquée n'a pas été une chose qui a été approuvée par les compagnons radiallahu anhum et ceux qui les ont suivis. Et après que l'appartement qui a été inclus dans la mosquée, la tombe n'a jamais été visible. Elle a toujours été dans un endroit à part. Elle n'est pas dans la mosquée. Et ainsi de suite. Allah dit dans le Coran, s'il s'était remis aux messagers et assis à ceux qui parmi eux ont le commandement, ils auraient su comment réagir dans cette situation. Et si ce n'était la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous auriez tous suivi Shaitan, si ce n'est que très peu parmi vous qui ne l'auraient pas fait. Donc regarde la façon de poser la question.
je suis en bikini et je rentre dans une tombe, tente où personne ne me voit. Je suis rentré dans une tente et je prie comme ça en bikini sans que personne ne me voit. Est-ce que ma prière elle est bonne? Alors le savant il répond, je vois et Allah il sait mieux que sur toi la malédiction d'Allah et des anges et de tout le monde. Parce que le prophète me dit qu'il y a des femmes qui seront nues et habillées en même temps, maudites car elles sont maudites. Donc on revient à la pudeur de la femme et à la partie du corps qu'elle doit couvrir, c'est la partie la plus sévère. Après, on a celle qui est la plus légère, c'est celle de l'enfant qui a moins de 7 ans, ça concerne juste les parties intimes. Et enfin, on a celle qui est médiane, c'est celle de tous ceux qui sont en dehors de la sévère et de la légère, donc l'homme et l'enfant de plus de 7 ans, et la femme qui est esclave, donc du nombril au genou obligatoirement, avec la recommandation de couvrir les épaules. Si quelqu'un est pris en pantalon et qu'en se prosternant, une partie de ce qu'il doit couvrir se découvre, est-ce que sa prière elle est bonne ou non? Il y a un risque à ce qu'elle soit nulle. Donc il faut faire attention aux vêtements que l'on porte pendant la prière. Après, comme autre condition, l'heure, le respect de l'heure de la prière. Et on n'a pas le droit de faire la prière en dehors de son heure. On a dit que le mieux était de faire la prière au début de l'heure, sauf la prière de l'Isha, tant que ce n'était pas une difficulté pour le groupe, et la prière de Dhuhr lorsque la température est élevée et insupportable. Autre condition, faire face à la Qibla. La prière obligatoire est dans la prière surérogatoire, en résidence et en voyage. Sauf que la prière surérogatoire, elle a une particularité, c'est que lorsqu'on est en voyage et qu'on est sur sa monture, quelle qu'elle soit, et que celle-ci est en route, alors on peut faire la prière quelle que soit la direction de la monture sur laquelle on se trouve. Il y a des endroits dans lesquels il n'est pas permis de faire la prière. Les toilettes et tous les endroits où il y a des impuretés. Les cimetières, on n'a pas le droit de faire la prière dans les cimetières. Sauf ce qui a été rapporté concernant la prière sur le mort lorsque celui-ci a déjà été enterré. Mais s'il n'est pas encore été enterré, alors on ne prie pas sur lui dans le cimetière. On n'a pas le droit de prier non plus dans l'enclos des chameaux. Ensuite, on a fait la distinction, on a divisé la prière en obligatoire et surérogatoire. On a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait déterminé les prières, les adorations comme étant obligatoires et surérogatoires. Et on n'interroge pas pourquoi il fait cela, c'est lui qui nous interrogera sur nos actions. Et la surérogatoire a pour but de combler le manque présent dans l'obligation et aussi dans le but d'augmenter la foi. Dans les prières obligatoires, donc on a les prières quotidiennes de la journée, la prière du vendredi, la prière de l'éclipse, selon l'avis de Cheikh Al-Athamin rahmatullah ta'ala, et aussi lorsqu'on rentre dans la mosquée, il lui est obligatoire de faire la prière comme la prière de salutation de la mosquée, comme on va le voir par la suite. La prière de l'witr, le minimum du witr, donc la prière impaire de la fin de la nuit, qu'on appelle le witr. Le mieux au minimum c'est 3, et le minimum absolu c'est une unité de prière, et le maximum du witr c'est 11 unités de prière. Et on a vu les façons de faire cette prière: 3 unités de prière avec un seul tashahhud, ou bien 3 raka'at, c'est-à-dire on fait 2 qu'on conclut avec le salam et après on fait 1 qu'on conclut avec le salam directement, ou bien on fait 5 avec un seul tashahhud et on fait le salam après le cinquième tashahhud, ou bien 7 unités de prière consécutives avec un seul tashahhud à la fin, on fait le salam à la fin, ou encore 9 raka'at, une unité de prière avec 2 tashahhud. On s'assoit au 8e, on ne fait pas le salam, on se relève pour la 9e, et après on fait le tashahhud et on sort de la prière avec le salam.
ou bien on peut faire tout cela en par paire, deux unités de prière chacune, et à la fin on finit avec une seule unité de prière et ça fait 11 rak'a. Quel est le jugement de la prière de l'Witr? C'est une sunna très importante et qu'on incite beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé ni chez lui ni en voyage. Même Ahmad rahimahullah, il a dit même la sunna, celui qui délaisse la prière de l'Witr alors qu'il est capable de l'accomplir, c'est une personne mauvaise. On n'accepte pas de sa part un témoignage. On a vu aussi dans les prières surrogatoires, les prières en rapport avec l'ordre des prières obligatoires. Ce sont celles qui ont le même ordre, qui suivent l'ordre des prières obligatoires. Donc celles qui viennent deux avant la prière obligatoire du matin. Donc il le fait juste avant. Celui qui n'a pas pu les faire avant la prière obligatoire, il les fait tant que le soleil n'est pas en train de se lever. Et si le soleil se lève, il attend que le soleil se lève et après il les fait. Si jamais on dort sans avoir fait le witr, là, pas par négligence, est-ce qu'il la rattrape? Oui. Comment? Si il a l'habitude de faire 3 rak'at, 3 unités de prière, eh bien, il les rattrapera après le lever du soleil en 4 unités de prière, en rajoutant une unité. S'il a l'habitude d'en faire 5, eh bien, il les rattrapera après le lever du soleil en en faisant 6, en en rajoutant une. Et après, donc, on repasse au rawatib. Il y en a donc 4 avant Dhuhr et 2 après. Après, on a 2 après le Maghrib et 2 après l'Isha. La prière surérogatoire liée à la prière du matin se distingue des autres par 5 choses. Premièrement, par la lecture. Tu commences au début de la journée avec le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu finis la prière, la journée, en concluant avec le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une lecture spéciale. La lecture de Qul ya ayyuhal kafirun, la première unité de prière, et dans la seconde unité de prière, Qul huwallahu ahad. On a aussi de la récompense de cette prière-là par rapport aux autres, qu'ils sont meilleurs que ce monde et ce qu'elle contient. Le prophète ne les a jamais délaissés en voyage ou chez lui. Il est légiféré à ce qu'on les fasse légèrement, c'est-à-dire rapidement, mais sans que ça amène à l'annulation de celle-ci. Et enfin, il est légiféré aussi de s'allonger sur le côté droit après l'avoir accompli lorsqu'on est chez soi, mais pas à la mosquée. Cinq choses qui distinguent cette prière surrogatoire du reste des prières surrogatoires de la journée liée aux prières obligatoires. Quoi d'autre? Salat al-jama'a. La prière en groupe, le minimum qu'on puisse dire concernant la prière en groupe sur les hommes pubères, qu'elle est obligatoire. Pour ne pas dire qu'il est possible qu'elle soit une condition pour la validité de la prière. C'est-à-dire que s'il prie chez lui, l'homme qui est pubère, doué de raison, eh bien, et qu'il n'a pas d'excuse, sa prière elle est nulle chez Cheikh Islam rahimahullah ta'ala. Allah dit, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. On a dit, quel groupe? Le premier, l'officiel, celui qui prie derrière lui-même à l'heure de la prière. À la mosquée, bien sûr. Quoi d'autre? Celui qui dort sur une prière ou ceux où l'oublie qu'il l'a pris, qu'il l'accomplit lorsqu'il se rappelle. Il est obligatoire de rattraper les prières qu'on a ratées dans l'ordre, sauf dans quelques cas. Bien sûr, on parle du cas où on a raté ces prières-là avec une excuse valable. Cheikh Al-Athim, il dit que celui qui délaisse la prière sans aucune
excuse, c'est un grand problème. Donc l'accomplissement des prières manquées dans l'ordre est une obligation, sauf lorsque on a oublié ou ignoré ce jugement, ou bien qu'on craigne le sortie de l'heure de la prière en cours. Donc à ce moment-là, là, il n'est pas obligatoire de respecter l'ordre des prières manquées. Et on commencera par la prière en cours. On a vu aussi le comportement à adopter quand on se rend à la mosquée, avec tranquillité, sérénité, dans une attitude respectable. On rentre par le prier droit, on fait l'invocation, on ne vend pas, on n'achète pas dans la mosquée, on ne cherche pas les choses qu'on a perdues. Lorsqu'on rentre, on prie. Et s'il trouve l'imam dans une position pendant la prière, il rentre et il le suit dans celle-ci. Et après, il rattrape ce qu'il a manqué. Après, il prie, après qu'il a fait la prière, il cite les invocations citées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأوتار رحمه الله il a cité ensuite les prosternations, la distraction. سجود السهو. Cette prosternation là est de se prosterner. جزاك الله خيرا. سجود السهو. Donc la prosternation, la distraction consiste à se prosterner lorsque on a fait preuve de distraction dans la prière. Donc les causes de la prosternation, la distraction sont au nombre de trois. Un rajout, une diminution et un doute. Les causes de la prosternation et la distraction sont de trois. Rajout, manque et doute. Rajout, manque et doute. Si jamais il rajoute dans sa prière par distraction, sa prière elle est valide. Cependant, lorsqu'il s'en rend compte, il doit obligatoirement interrompre ce rajout. Sinon, sa prière devient nulle. S'il rajoute par oubli dans sa prière, sa prière est valide, mais il doit obligatoirement, lorsqu'il se rend compte du rajout, d'arrêter, d'interrompre automatiquement ce rajout. Sinon, sa prière s'annule. Exemple, quelqu'un dans la prière de Dhuhr, il se lève pour faire la cinquième unité de prière, et il se met à réciter la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ensuite, il se rend compte qu'il est dans une cinquième unité de prière. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit revenir obligatoirement s'asseoir. Si jamais il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, il continue à réciter la Fatiha, la prière s'annule automatiquement. Pourquoi? Parce qu'au départ, il était distrait, il a oublié, et après, il a volontairement continué. Il doit retourner obligatoirement et automatiquement au tashahhud. S'il l'a déjà lu entièrement, il s'assoit et il fait le salam, il sort de la prière. S'il n'a pas fait le tashahhud, il le lit entièrement, après, il fait le salam. Ça, c'est dans le cas où il rajoute. Deuxièmement, le manque. Quelqu'un qui délaisse une chose de la prière. Par distraction. On regarde. Qu'est-ce qu'il a délaissé? S'il a délaissé un pilier des piliers de la prière, est-ce qu'il a pilier? Donc s'il a délaissé pendant un pilier de la prière, sa prière-là, elle devient nulle. Jusqu'à ce qu'il fasse ce pilier et ce qui vient après lui. Toute chose qu'il a accompli après avoir délaissé le pilier, c'est a eu lieu dans un contexte qui ne lui convenait pas. Exemple, un frère, il fait la prière de Dhuhr. À la troisième raka'a, unité de prière, il s'est rappelé que il n'a pas lu la Fatiha dans la première raka'a, unité de prière. Donc ceci signifie que la seconde et la troisième unité de prière sont annulées. Il doit revenir à la première unité de prière. Il doit lire la Fatiha, et il a fini. Après, il passe à la seconde, il fait le tashahhud, après, c'est pour la troisième, après, il fait la quatrième. Après, il se procède pour la distraction. Toute chose qui a eu lieu après le délaissement d'un pilier est annulée. Il doit revenir au pilier en question et le faire complètement et faire ce qui vient après lui. Ça, c'est dans le cas où on délaisse un pilier. Deuxièmement,
s'il délaisse un acte obligatoire. S'il lui par exemple le premier tashahhud dans le cas où il y en a plusieurs dans la prière. Il se lève, il n'a pas fait le premier tashahhud. Il s'est rappelé après s'être levé. Qu'est-ce qu'il doit faire? On regarde. S'il a fait ça volontairement, sa prière elle est nulle. S'il a fait ça par oubli, sa prière elle est valide. Il a délaissé une des obligations de la prière, sa prière elle est valide et il ne revient pas. Il finit la prière et se prosterne pour la distraction. Ça c'est dans le cas où il a délaissé une obligation. Quant au délaissement d'une tradition, ceci n'annule pas la prière. Cependant, ceci diminue la récompense de la prière. Donc, rajout et manque. Troisième, un doute. On a une règle. Ou plutôt, au départ, on va citer les différentes catégories du doute. Le doute se divise en deux catégories. À l'intérieur de l'adoration, pendant celle-ci, et après qu'on ait fini celle-ci. Donc il y a deux catégories dans le doute, pendant l'adoration, et après qu'on ait fini l'adoration. Tout doute qui a eu lieu après la fin de l'adoration, on ne s'y retourne absolument pas. Et le doute après l'accomplissement de l'action n'a aucune incidence. Donc on n'accorde aucune importance, aucun intérêt au doute lorsque celui-ci a lieu après l'adoration, même s'il atteint 99,99%. Exemple, un frère par exemple, il fait deux unités de prière surérogatoire. Après le Maghreb. Et maintenant, il nous dit, j'ai un doute, est-ce que j'ai lu la Fatiha dans la seconde unité de prière? On lui répond, la prière, elle est finie. Il nous dit, oui. T'as un doute? Il dit, oui, j'ai un doute, un grand doute. On lui dira, ne lui apporte aucune importance. Si jamais il retourne et prie, il est dans le péché. Si jamais il fait Allahu Akbar, il rentre dans la prière. Et après, il a un doute sur ses ablutions. Si jamais il sort de la prière avec ce doute encore, il est dans le péché. Il a fait les ablutions, il est entré à la mosquée, après, il commence à se prendre la tête et il se demande est-ce qu'il a essuyé sa tête ou non. Il a fini les ablutions, si jamais il retourne, refait les ablutions, il a un péché. Ça c'est le fait de Cheikh Al-Athamin, rahimahullah. N'apporte aucun intérêt au doute de façon absolue. Si tu ouvres cette porte-là, il ne se fermera jamais. Elle ne se fermera jamais, qu'Allah nous en préserve. Si quelqu'un dit, oh imam, il y a quelqu'un qui est venu voir Ibn Aqil, un grand imam, il lui a dit, je plonge dans la mer complètement. Après, quand j'en sors, j'ai un doute. Je me demande s'il y a encore dans mon corps une place, une partie dans laquelle qui n'a pas été touchée par l'eau. Et le cheikh lui a répondu, je vois, et Allah, il sait mieux que toi, tu n'as pas l'obligation de faire la prière. L'homme lui a répondu, pourquoi il n'y aurait pas de prière à faire? Alors il a répondu parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plume elle levait sur trois types de personnes et parmi eux le fou, et toi tu es fou, donc tu n'as plus l'obligation de faire la prière. Il n'y a que le fou qui peut avoir un doute comme ça. Il y a un homme, il a levé sa femme avant de se réveiller à la fin de la nuit. Il lui a dit, elle a dit quoi? Il lui dit, j'ai un doute très très fort. Il lui dit, j'ai un très très fort doute que je pense avoir prononcé le divorce. Elle lui dit, non, tu l'as jamais dit ça. Il dit, écoute, pour être sûr que j'ai pas, que pour chasser le doute, je le dis, je te divorce. Et alhamdoulilah, j'ai plus de doute. Donc ça, c'est la folie, c'est n'importe quoi. Et la législation est venue pour fermer la porte aux obsessions et aux doutes. Si on a un doute après l'adoration, on y prête pas attention, sinon ils vont se multiplier, s'accumuler et rendre la personne obsédée. Quelqu'un qui fait 7 tours autour de la Kaaba, et après, il se pose la question, est-ce que j'ai fait 7 ou 6 tours? Si jamais il revient et il en fait un, eh bien, il sera dans le péché.
à moins qu'il soit sûr à 100% qu'effectivement il lui manque un tour, sinon il n'y retourne pas, sinon il est dans le péché. Donc le doute se divise en deux parties, pendant l'adoration et après la fin de celle-ci. On a dit après la fin de celle-ci, on ne lui accorde aucun intérêt, aucune importance de façon absolue dans toutes les adorations. Quant au doute qui a lieu à l'intérieur de l'adoration, et ça se divise en plusieurs, en deux catégories aussi. Celui qui a beaucoup de doutes, celui qui n'a pas beaucoup de doutes. Il y en a qui vient me dire, j'ai toujours des doutes quand je fais deux unités de prière concernant la seconde unité de prière et sur le nombre de prosternations. Chez moi, ça c'est fréquent, c'est commun, c'est régulier. On va lui dire, toi tu es donc quelqu'un qui fait beaucoup de doutes. Donc ne te prosterne pas pour la distraction. Il nous répond même, j'ai peur que ma prière soit nulle. On lui dit, si jamais tu fais quelque chose, tu as un péché. Délaisse les obsessions et les doutes. Et dis et remercie ton Seigneur. Celui par contre qui a peu de doutes, donc pas souvent, alors s'il a un doute par exemple dans la prière de Dhuhr, il ne sait pas s'il a fait 3 unités de prière ou 4. Il est plus ou moins sûr, il n'est pas sûr, hein, mais il est proche de sûr, du sûr, comme quoi il a fait 3. Alors il continue sur 3. S'il est plus ou moins sûr qu'il a fait 4, alors il continue sur 4. Et après il fait la prosternation de la distraction. Si par contre il n'a aucun moyen, il n'a aucune. Il n'est pas sûr d'un des deux cas dans le doute. C'est du 50-50, 3 ou 4. Il n'a aucun moyen de donner un pourcent supplémentaire à l'un des deux cas. Il est 3 ou 4, il ne sait pas. Alors dans ce cas-là, il va dire qu'il a fait 3 unités de prière. Et après, il fait les prosternations de la distraction. Donc on revient aux causes de cette prosternation-là. Le rajout, le manque et le doute. Le rajout, bien sûr par distraction, n'annule pas la prière. Mais quand il est sûr qu'il s'est rendu compte qu'il a rajouté, et il revient et il interrompt automatiquement le rajout. Le doute, lui, se divise en deux catégories. Après l'adoration, il n'a aucune incidence, on ne lui accorde aucune importance. Et le doute pendant l'adoration, soit il en a beaucoup, souvent régulièrement, lui, il prépare attention à ses doutes et il continue. Celui qui n'a pas beaucoup de doutes, lui, il regarde s'il a un moyen de donner plus de poids à l'une des deux possibilités, alors il se base là-dessus et fait la prosternation à la fin. Et si, par contre, il n'a aucun moyen de donner raison à un des deux cas dans le doute, alors il se base sur le minimum et il fait la prosternation après à la fin de la prière. Il y a aussi, comme autre type de prosternation, la prosternation de la lecture, de la récitation. C'est dans le cas où il lit le Coran et il passe sur un verset où on demande de se prosterner. Alors il se prosterne. Par contre, il ne dit pas Allahu Akbar. Et il dit, quand il part en se prosternant, ni en se relevant de la prosternation. Et cela n'est pas obligatoire. Si par contre on prie derrière l'imam et qu'il lit un verset où se trouve une prosternation et il se prosterne, alors on se doit de le suivre. Qu'est-ce qu'on dit dans la prosternation de la récitation ou la prosternation du remerciement ou la prosternation de la distraction? Obligatoirement, on doit dire Subhana Rabbiya al-A'la. Voilà pour ce qui tourne autour de la prosternation de la récitation. On passe à la prosternation de la gratitude, du remerciement. Il se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala dans le but de le remercier lorsque un bienfait s'est renouvelé pour lui ou bien qu'un mal qu'il craignait a été repoussé de lui. On dit renouvelé parce que les bienfaits sont indénombrables. Mais dans le cas où celle-ci se renouvelle, il se réveille par exemple pour faire la prière de Sobh, ça c'est un bienfait qui se renouvelle constamment. Donc il ne faut pas faire la prosternation de la distraction dans ce cas-là. Exemple, Abu Bakr radiallahu anhu, quand il a été mis au courant que Musaylama, le faux prophète, le menteur, a été tué, il s'est prosterné en guise de remerciement vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc lorsque le bienfait qui le touche est un bienfait spontané, hein, auquel on ne s'attendait pas, nouveau, il se prosterne en guise de gratitude. Quand c'est quelque chose qui se renouvelle tout le temps, alors non, il ne se prosterne pas. Et aussi lorsqu'il craignait un mal et qu'il a été repoussé de lui, alors il se prosterne aussi en guise de gratitude. On a vu dans les leçons importantes de Cheikh Ibn Baz rahmallah que les mouvements durant la prière se divisent en 5 catégories. Des mouvements interdits, des mouvements détestables, des mouvements tolérés, des mouvements recommandés et des mouvements obligatoires. Premièrement, les mouvements interdits. Ensuite, déconseillés. Ensuite, tolérés. Ensuite, recommandés. Et enfin, obligatoires. Premièrement, les mouvements qui sont interdits. De manger pendant la prière. Et de boire. Et de rire. Et de trop bouger successivement sans aucun besoin. Il est en train de prier quelqu'un, par exemple. Il sort le téléphone de sa poche, il regarde dedans. Après, il lit son message. Tu regardes, c'est comme s'il priait pas, on dirait à la base. Jusqu'à ce que certains, qu'Allah nous guide ainsi que lui, le téléphone il sonne. Il le sort, il décroche et il le rapproche de sa bouche et dit « Faut exprès Allahu Akbar » pour qu'on sache qu'il fait la prière. On est arrivé jusqu'à là. C'est grave, c'est très grave. C'est tellement important pour lui de répondre qu'il faut absolument qu'il fasse passer cela avant la prière. Donc on a dit des mouvements trop nombreux successivement chez les gens sans qu'il y ait un besoin pour cela. Quelqu'un par exemple, il est face à la Qibla. Elle est devant, elle est donc dans sa direction. Lui, il se dirige de l'autre côté. Là, il se retourne. L'iltifat, c'est le fait de se retourner vers la droite ou vers la gauche. Si jamais il le fait une seule fois, légèrement, ça c'est au minimum détestable. S'il le fait trop, ça devient interdit. Il y a aussi dans cela le fait de lever les yeux vers le ciel ou bien vers le haut pendant la prière. C'est un mouvement interdit. Voici pour les mouvements interdits. Manger. Là. Et boire. Hein, il a à droite, à sa main droite, c'est à la main gauche, un verre de jus et il mange et il boit pendant la prière. Ou encore il rit. Il bouge trop successivement, sans aucun besoin, jusqu'à ce que les gens soient, en le voyant, ne pensent pas qu'il fait la prière. Tout cela est interdit. Parler volontairement en sachant l'interdiction de cela et en, sans l'avoir oublié, sans que ça ne soit le fruit d'un oubli. Donc, lui, il connaît le jugement, comme quoi parler en prière, ça annule celle-ci et pourtant il le fait quand même. Dans ce cas-là, ça va donc annuler la prière. Hein, comme ceux qui répondent au téléphone carrément pendant la prière, il lui dit réponds après, je suis en prière. Celui-ci, sa prière, elle est nulle. Donc il le fait volontairement, il connaît le jugement, il est conscient de ce qu'il fait et il parle, ça annule cette prière. S'il ignore que cela est interdit, il est excusé. Si il a parlé dans l'intérêt de la prière, par exemple l'imam, il s'est trompé, alors il lui dit Subhanallah. Donc si l'imam il se trompe dans la prière et qu'il ne sait plus quoi faire, alors l'imam, le ma'moum, celui qui prie derrière lui, a le droit de lui dire de se prosterner dans l'intérêt de la prière, comme l'a fait Dhul Yadayn dans le hadith avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a ensuite des mouvements détestables, c'est-à-dire des mouvements inutiles, mais pas en grande quantité. Tu le regardes, tu vois qu'il prie, mais il bouge, sans qu'il y ait un intérêt dans cela, sans qu'il y ait une inutilité. Quelqu'un qui va sourire, pas rire. Ensuite, on a les mouvements tolérés. Ses lunettes, par exemple, il prie, quelqu'un prie, et ses lunettes, elles tombent. Et il a peur qu'elles soient volées ou bien qu'elles soient cassées. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le minimum de mouvements possible, il prend les lunettes qui sont par terre et il les range dans sa poche.
maintenant un mouvement qui est recommandé, c'est-à-dire celle qui repose sur celle sur quoi se repose la perfection de la prière, c'est-à-dire atteindre le plus haut degré de celle-ci. Et le mouvement obligatoire est celle sur laquelle se repose la validité de la prière. Quelqu'un qui prie et qui se rappelle que sur son chapeau, le chapeau qu'il porte, sa taguilla, sa chachia, il y a une impureté. Alors il fait un mouvement pour l'enlever et il continue la prière. Donc ça, c'est un mouvement obligatoire. Donc on récapitule, mouvement interdit, mouvement détestable, mouvement toléré, mouvement recommandé et mouvement obligatoire. Ça, c'est la classification des mouvements durant la prière. Le fait de se tourner vers la droite ou vers la gauche durant la prière, si cela est léger, c'est détestable. Si c'est beaucoup, ça devient interdit. Le fait de croiser les doigts, le fait de les claquer, il met ses mains sur ses hanches, il s'assoit et il colle ses avant-bras au sol lorsqu'il se prosterne, ou bien il pose ses fesses sur le sol et il écarte ses jambes comme ça soit le chien, ou encore il fait face à quelque chose qui va le distraire durant sa prière, comme la télévision par exemple, la Coupe du Monde, et il regarde la prière pendant qu'il fait la télé pendant qu'il fait la prière. Ou encore, il fait face au feu. Cela n'est pas bon. Il prie dans un endroit dans lequel on trouve des gens qui marchent ou encore des voitures, des choses qui le distraient à la prière. Donc il doit chercher un endroit dans lequel il n'y a rien qui va le distraire. Un endroit qui va lui apporter un recueillement durant la prière. Ou encore, il repousse l'envie de faire ses besoins. Qu'est-ce que ça veut dire repousser? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui veut descendre. Et lui, il se retient afin que cela ne descende pas. Donc ici, repousser, il y en a qui sont légers, et ça peut être de façon légère, et celle-ci, inchallah, il n'y a pas de mal. Et si elle est forte, très forte, jusqu'à ce qu'il ne sache plus qu'est-ce qu'il fait, il prie, il ne sait plus où il est, où, et sa seule préoccupation, c'est ce qu'il a dans le ventre, et l'effort qu'il fait pour ne pas que cela descende. Donc il ne doit pas, cela est interdit, il ne doit pas prier ainsi. Il y a aussi le cas où la nourriture elle est posée, et il en a envie, et il a l'autorisation de pouvoir en manger, soit nourriture ou boisson. Donc il a le droit d'en manger, il en a envie, et la nourriture elle est posée, et ou la boisson, et il prie. Prenons quelqu'un par exemple, qui n'a pas d'argent. Cheikh al-Islam, rahimallah, il voit que celui il voyait qu'il n'était pas correct pour qu'Allah Ta'ala afin qu'il le rende pauvre. Il y a un hadith dans lequel ça marche pas. Appelle Abdel Tien. Ça marche pas. Donc on revient. On a dit que le plat il est posé et il n'a pas à faire la prière que s'il en a envie et qu'il a le droit d'en manger. Maintenant, si la nourriture elle est posée et qu'il n'en a pas envie,
alors il n'a pas à ne pas faire la prière dans ce cas-là. Et si il fait le ramadan et que la nourriture elle est prête, qu'il en a envie, ben, ce n'est pas une excuse pour ne pas prier parce qu'il n'a pas le droit d'en manger vu qu'il fait le jeûne. Il y en a, ils font exprès qu'Allah il nous guide ainsi que il demande à sa femme de faire à manger à l'heure de la prière. Donc, par exemple, la prière elle est à 6h moins le quart, toi tu fais à manger pour que ce soit prêt à 6h moins 20. Cela est compris? Ou bien il dit, mais dans la nourriture, de l'ail et de l'oignon. Pourquoi? Afin qu'on en mange et que je n'ai plus l'obligation d'aller prier en groupe à la mosquée. Donc cela, il fait exprès. Celui, il fait, on le prend en fonction de l'inverse de son intention. La prière de l'éclipse. La prière de l'éclipse, on a dit que Cheikh et certains savants voient que celle-ci est obligatoire. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de la faire. Et il est sorti pour l'accomplir effrayé. Il tirait son panier de sa cape. Il a fait une prière étrange, longue. Et il a dit, j'ai vu telle et telle chose. Et il a dit, le soleil et la lune sont des signes parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il effraie avec ce qu'il veut parmi ses serviteurs. Il a fait deux unités de prière avec deux inclinaisons dans chaque prière, dans chaque unité. C'est-à-dire, il se lève, il lit à voix haute, il dit Allahu Akbar. Et puis il dit Allahu Akbar. Après, il lit Al-Fatiha. Après, il fait une longue lecture. Après, il s'incline. Après, il reste aussi longtemps. Après, il reste aussi longtemps qu'il est resté en lecture, pendant la lecture. Après, il se redresse et dit Samir Allahu liman hamida. Il y a à nouveau la Fatiha. Ensuite, il y a encore le Coran assez longtemps, mais un peu moins que lors de la première fois. Après, il s'incline, il reste aussi longtemps que le temps qu'il a passé à lire dans la seconde fois. Après, il dit Samir Allahu liman hamida. Après, il fait la prosternation. Il en fait deux comme dans la prière classique. Après, il se relève pour la seconde unité de prière. Et il fait la Fatiha. Et il lit assez longtemps. Après, il fait une inclinaison. Après, il se relève. Il dit Samir Allahu liman hamida. Il lit à nouveau la Fatiha. Il fait encore une fois la lecture. Mais moins longtemps que la troisième fois. Et enfin, il finit la prière normalement. Et après, après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un serment dans lequel il a exhorté les gens et les a poussés à implorer le pardon d'Allah Ta'ala, à se repentir et à faire l'aumône. Et cette prière-là, la prière de l'éclipse, on l'a pris à n'importe quel moment. Même dans les prières où il est censé être interdit de faire les prières qui ne sont pas obligatoires. Après, on a la prière de la demande de la pluie. On fait cette prière-là lorsqu'on a besoin de l'eau. La prière, dans la tradition prophétique, dans la prière des deux fêtes ou bien la prière de la demande de la pluie, est d'être accomplie dans la moussala, c'est-à-dire un endroit extérieur à la mosquée dans lequel on fait cette prière. Ça, c'est la sunna, la tradition, si c'est possible, si c'est facile. Si on ne peut pas, alors on les fait dans la mosquée sans aucun problème. La prière de la demande de la pluie se fait dans deux unités de prière. On les fait à voix haute. On sort vers l'endroit, le lieu de prière. Et il faut qu'il sorte dans un aspect qui indique le besoin, qui indique l'humiliation, qui indique la modestie, parce qu'il va demander à Allah Ta'ala qu'il les abreuve, qu'il leur donne de l'eau. Il va faire, avant de sortir faire cette prière-là, les causes qui vont faire que la miséricorde d'Allah Ta'ala s'abatte sur lui. Si jamais il a fait la justice à quelqu'un, il va se libérer auprès de lui. Il va faire des aumônes, il va demander à Allah qu'il lui pardonne. Il fait ce genre de choses-là. Après cela, l'auteur, rahimahullah,
Et là, c'était les horaires dans lesquels on interdit d'accomplir la prière dans celle-ci. Sauf quoi ? Le fait de rattraper les prières qu'on a manquées parmi les obligatoires. Donc il s'est pas réveillé pour la prière à son heure, et il s'est réveillé pendant le moment où c'est interdit. Et bien il l'a pris à ce moment-là, conformément au hadith qui dit qu'il l'a pris lorsqu'il se rappelle, ni après qu'il se soit réveillé. Rentre dans ces exceptions-là aussi les prières qui sont liées à une cause, comme la prière de la salatation de la mosquée, ou bien les prières qu'on fait après avoir fait la circumambulation, ou la prière de l'éclipse par exemple. Quels sont les moments dans lesquels cette interdiction est active? Allah yaftah alayk, ajlis. 5. C'est au nombre de 5. Il y a 5 moments dans lesquels la prière qui n'est pas obligatoire ne doit pas être accomplie. Et ça, c'est lorsqu'on fait un détail, qu'on est très précis. Si quelqu'un te dit, quel est le jugement, quelle est la sagesse? Quelle est la sagesse dans le fait qu'on n'ait pas le droit de faire la prière durant ces 5 moments-là? Qu'est-ce qu'on lui répondra? On lui répondra le verset où Allah Ta'ala dit de lui-même, on n'interroge pas sur ce qu'il fait, et eux ils seront interrogés, premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, maintenant, on verra ensemble que la prière, lorsque le soleil se lève et lorsque le soleil se couche, à ce moment-là, est le même moment dans lequel les associateurs adorent leurs idoles. C'est pour ça qu'on on a reçu l'interdiction de faire la prière dans ce moment-là, pour ne pas leur ressembler à ces moments-là. Qu'est-ce qu'on doit dire alors à ceux qui ressemblent aux mécréants dans la célébration de leurs fêtes et de leurs occasions religieuses? Ensuite, ça c'est... il y a aussi une heure avant le zénith. C'est à ce moment-là que le feu de l'enfer est attisé, qu'Allah nous en préserve. Aussi, parmi les sagesses qui justifient l'interdiction de prier dans ces moments-là, c'est que l'âme, elle est active. Donc, on lui interdit de faire la prière et elle a envie de faire la prière. Donc, on ne doit pas répondre à l'envie de notre âme à ce moment-là. Et on ne peut pas chercher à savoir pourquoi. Si Allah il a légiféré, on ne l'interroge pas pourquoi il a légiféré. Le Coran et la Sunna et les invocations et évocations ne doivent pas être utilisés comme sonnerie du téléphone portable. Minimum, quelquefois tu rentres aux toilettes et tu entends l'adhan. Qu'est-ce que tu fais? C'est un problème ça. Et celui-ci il prie. Donc faites attention à ces choses-là. Compris? Cependant, mes frères, c'est le conseil. Hein? Allah dit dans le Coran, dit à mes serviteurs de dire la meilleure des choses. Donc on conseille, on fait ce qu'on peut. Et alhamdoulilah. Donc les moments où la prière est interdite, c'est au nombre de 5. Premièrement, le premier de ces 5-là commence lorsqu'on a fini la prière obligatoire de l'Fajr, de l'aube, jusqu'à l'apparition du soleil lorsqu'il se lève. On ne fait pas la prière à ce moment-là, sauf les choses qu'on a citées précédemment, comme le cas où on n'a pas fait la prière surérogatoire liée à la prière obligatoire de l'aube. Alors on peut les faire à ce moment-là après, tant que le soleil ne s'est pas levé, tant qu'il n'est pas apparu. Ensuite on a de ce moment-là jusqu'à ce qu'il se lève complètement. Généralement, ça arrive un quart d'heure après son apparition, le début de son apparition. À ce moment-là aussi, on ne prie pas la prière surérogatoire. Troisièmement, avant l'adhan, l'appel à la prière de Dhuhr, à peu près 25 minutes
c'est-à-dire le moment où le soleil se trouve au centre du ciel, au-dessus de la tête des créatures, jusqu'à ce qu'on ne voit pas leur ombre. Ça, c'est dans certains endroits, bien sûr, sur Terre. Mais dans d'autres, on voit l'ombre. Mais Inch'Allah, on regarde ça dans les horaires de la prière. À peu près une vingtaine de minutes, approximativement, avant la prière de Dhuhr. Ça, c'est la troisième heure. Quatrième heure commence lorsque l'imam est fini de faire la prière de l'Asr, après qu'il ait dit salam alaykoum wa rahmatullah, jusqu'à ce que le soleil s'apprête à se coucher. C'est le quatrième moment. Et enfin, le cinquième, c'est lorsque le soleil commence à disparaître jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Après, on passe à l'imam, le fait de présider la prière. On remarque que dans cette religion, tout est classifié, tout est géré de façon harmonieuse et parfaite. Qui a la priorité de se mettre en avant dans la présence de la prière? Cheikh Al-Athim Rahmanullah, il a dit que certaines personnes, lorsqu'elles se réunissent dans un endroit, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à se renvoyer la politesse. Vas-y toi. Et à la fin, celui qui fait la prière devant les gens, c'est pas celui qui méritait d'être désigné pour faire cela. Et généralement, tu vois certains jeunes, qu'Allah nous guide ainsi que, ils ne rentrent pas à la mosquée avant l'appel définitif de la prière. Ou bien ils se mettent à la fin, au fond de la mosquée, ou bien ils se cachent pour ne pas qu'on le voit, pour ne pas qu'on lui dise de faire la prière, de présider la prière. Alors que c'est lui qui est le meilleur dans la mosquée pour faire cette fonction-là. Qu'est-ce que tu fais? Cheikh Al-Azimin Rahmallah dit, lorsque les gens se réunissent et que tu sais que tu connais mieux qu'eux, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avancer et tu dois prier. Tu parles à personne. Si quelqu'un est dit, cela, qu'est-ce que c'est? Ça indique le fait d'aimer être devant les gens, ou le fait d'aimer la célébrité, ou bien le fait d'aimer cela et cela. Comme aujourd'hui on entend quand les gens ils donnent des cours ou font la prédication. Abu Bakr radiallahu anhu, quand le prophète est mort sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'auparavant il refusait de s'avancer pour faire la prière en tant qu'imam. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est avancé, il est monté sur le minbar, sur la chaire, et il a parlé aux gens, il leur a fait un sermon. Il a su qu'à ce moment là c'est à lui de se lever et obligatoirement de s'avancer. Il a recherché la satisfaction d'Allah Ta'ala, même si les gens ne sont pas contents. Le résultat, qu'Allah lui fasse miséricorde et soit satisfait de lui, eh bien c'est qu'Allah il a rendu les gens satisfaits de lui. Et regarde à ce moment là où les gens ils étaient dans une situation très très difficile, Omar qui criait et les gens qui étaient perturbés, alors il a vu l'obligation de s'avancer et il a pris ses responsabilités. Donc quand à la mosquée tu vois les gens qui se renvoient la politesse et qui se permettent de se proposer mutuellement de faire l'imam alors qu'ils ne sont pas dignes, tu dois avancer. Je parle de te cacher dans la mosquée. T'as remarqué comment l'âne il braille? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il crie aussi fort? Mais il veut te montrer qu'il est un âne. Que tu saches que c'est un âne. C'est un âne. Et toi qui suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa guidée, tu te caches et tu viens dans une assise où les gens du faux ils parlent et toi tu te tais, tu hésites, tu marches arrière, tu ne veux pas avancer, tu ne veux pas présider la prière, et après cela tu dis la mosquée elle est comme ça, oh laisse tomber, cette mosquée elle est pas bien, cette mosquée ci aussi elle est pas bien. Non, ce n'est pas possible. Tu as un rôle dans cette vie, tu dois jouer ton rôle, mon frère. Il n'y a aucun problème dans ce cas. Laisse les gens parler et recherchent la satisfaction d'Allah, même si les gens ne sont pas contents. Donc si les gens se réunissent dans un endroit et que tu sais que toi, tu mérites le plus de présider la prière, tu parles à personne, tu avances et tu leur dis « Alignez-vous » et tu dis « Allahu Akbar ». Oui.
celui qui dirige la prière, il y a un ordre à respecter. Celui qui récite le mot, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit rester la parole d'Allah, c'est comme les plus prédécesseurs le faisaient. Ils lisaient avec méditation et mettent en pratique cela. Si auprès de nous se réunissent un lecteur, comme certaines personnes le disent, il apprend le Coran, il a appris le Coran. Donc il a pris par cœur et mémorisé les versets du Coran. La mémorisation du Coran, le vrai apprentissage, c'est celui qui apprend, qui médite et qui met en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre nous, celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre le Coran? Seulement réciter? Seulement embellir sa voix? Non, ce n'est pas que ça. C'est lecture, méditation et mise en pratique. Donc si on a auprès de nous quelqu'un qui apprend le Coran entièrement et il ne connaît pas la jurisprudence, et il connaît une partie du Coran, mais c'est un juriste, il y a un savant, il connaît la jurisprudence de la prière, alors c'est lui qu'on mettra en avant pour présider la prière. Et déjà à la base, pourquoi tu dois la protéger du Coran? Apprends le Coran. Donc premièrement, celui qui connaît le mieux le Coran. Il y en a plusieurs et qu'ils ont tous les deux la même capacité d'apprendre le Coran, c'est-à-dire qu'ils ont autant de Coran l'un que l'autre. Qu'est-ce qui les deux va mettre en avant? Celui qui connaît le plus la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi à connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la connaître par cœur, la mettre en pratique et la méditer. Il faut que cela soit visible sur toi. Après cela, c'est le plus vieux d'entre eux. Aujourd'hui, par exemple, on est venu dans la maison d'une telle personne. Et c'est celui qui a le moins de Coran parmi eux et de science de Sunna parmi eux. Mais ce sera lui qui s'avancera parce que c'est lui le propriétaire. Tout comme l'imam dans une mosquée, c'est lui qui s'avancera et personne ne s'avancera devant lui parce que c'est lui le propriétaire, entre guillemets, le plus digne de prier chez lui. Donc l'imam il s'avance et le ma'moum, celui qui prie derrière lui, il recule derrière lui. Si jamais il prie seulement, l'imam il n'a qu'une seule personne avec lui, alors la personne elle se tient à sa droite et il se met au même niveau, au niveau que lui. Il ne se met pas derrière lui ou bien légèrement derrière lui. Non, il se met au même niveau que lui. Il faut que les rangs soient proches les uns des autres. Il faut que le rang soit complété en premier pour ensuite passer au second et ainsi de suite. Il faut que les trous soient fermés. Il faut que les hommes soient devant et que les femmes soient derrière. Et là-bas, c'est que les enfants soient avec les hommes. Si l'enfant est au premier rang, eh ben, il a le droit d'y rester. C'est lui qui le mérite le plus. Sauf si c'est proche de lui-même. Là, on ne va pas le mettre dans un rang inférieur. On va le mettre sur la droite ou sur la gauche. Il n'y a pas de priorité sur la droite ou sur la gauche. Si l'imam est au milieu du rang, et après les rangs se font derrière lui, les uns derrière les autres, de cette façon-là. Donc, quelqu'un qui rentre à la mosquée, il a trouvé les rangs complets. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il tire quelqu'un? Non. Il n'y a pas de prière pour celui qui s'isole derrière le rang. Il faut qu'il prie dans le rang. Donc aujourd'hui, généralement, dans les rangs, il y a de la place, il y a des trous. S'il ne trouve pas de place, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, il ne trouve pas de place dans le rang, il essaye, et il a essayé, il ne trouve pas de place. Alors, à ce moment-là, il prie tout seul derrière le rang, et sa prière sera valide. S'il trouve une place, par contre, et il ne la prend pas, et il prie tout seul derrière, sa prière sera nulle. Quelle est la preuve de cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prière pour quelqu'un qui s'isole derrière le rang, sauf à moins qu'il ne rentre dans le rang. Ça, c'est dans le cas où il peut rentrer dans le rang. Sinon, il est excusé. Combien de temps?
نتوقف وبعد صلاة On va s'arrêter ici. Après la salat, inshallah ta'ala, nous allons prier Allah ta'ala pour le prophète Mohammed et sa famille. Salam alaykum.